Salut les barbus, aujourd'hui on est le dimanche 22 mai 2015. Et d'ailleurs c'est l'anniversaire à mon bro. Joyeux anniversaire Laurent. Et aujourd'hui, après le samedi de l'horreur, c'est le dimanche de l'anniversaire. Les cupcakes sont en train de cuire. Marie est en train d'essayer de souffler ses ballons. Et dans un peu moins de 2 heures, il y aura 4 ou 5 gamines qui vont débarquer pour faire la teuf avec Marie. Et aujourd'hui, c'est quoi la thématique de la vidéo? C'est mon sac. Mon sac. Les sacs, j'en ai 3. Je ferai peut-être une vidéo un jour sur mes différents sacs et qui a 3 poches principales. Celui-là m'a pas coûté très cher, genre 35 balles à Porte de Clignancourt. Et il y a plein de trucs dedans. Et c'est des trucs que je trimballe tout le temps. Mon sac. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Câble USB. Chargeur pour le téléphone. Scotch. Lunettes de soleil. Un truc pour nettoyer les lunettes. Le Theta S. J'ai quoi? Mes lunettes de soleil. Mais non, c'est mes lunettes de vue, celle-là. Des vitamines. Une lampe. Une vraie lampe qui marche. Une clé USB, bien sûr. Une autre USB, une extension pour le téléphone, des crayons, des cartes de vide que j'ai pas rangées et plein de petites merdes. Ça c'était la première poche, la poche du haut. Maintenant je m'attaque à la poche du bas. Alors, dans la poche du bas j'ai quoi? Alors je sais que plein de gens vont trouver ça zarbi, mais là j'ai roulé dans un... avec des zip ties, un t-shirt, un caleçon et une paire de chaussettes. Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Et ça m'a déjà servi plusieurs fois où il pleuvait et j'étais tout mouillé. De l'élastoplaste, une paire de gants, on peut toujours servir ça. J'ai quoi? La GoPro. Et son chargeur. Plein de merde. Ne me demandez pas pourquoi, des lunettes de piscine. Un paquet de mouchoirs. Un crayon, des conneries imprimées en 3D. Des mouchoirs sales, bien sûr. C'est juste ultra indispensable. Un mètre. Une autre boîte de vitamines. Encore des mouchoirs sales. Encore des mouchoirs sales. Décidément, il fallait que je le range ce sac. Alors, j'ai quoi d'autre? J'ai mon to-do lister, bien sûr. Mon truc pour crayon Star Wars que j'ai gagné dans un truc. D'autres conneries imprimées en 3D. Alors, un autre câble USB, mais celui-là qui est un micro USB. Des crayons, mon porte-mine. C'est Cradoc. Un taille-crayon. D'autres conneries qui traînent dans mon sac. Et alors, dans cette poche-là, on a encore 2 choses. Des mines pour le porte-mine.
encore un feutre et des capotes. Pourquoi des capotes? Pour deux raisons. La première, parce qu'on ne sait jamais. Et la deuxième, plusieurs fois, ça m'a sauvé la vie, entre guillemets, pour étanchéifier des trucs, en particulier mon téléphone. Alors, mettre le téléphone dans le bon sens, pas là où il y a le spermicide, mais dans l'autre. Et maintenant, on va attaquer la poche principale. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche principale de mon sac? J'ai bien sûr mon cahier magique. Avec mes listes et tous les trucs que je dessine et que je prévois. J'en ai toujours un au moins dans mon sac. J'ai deux livres que je suis en train d'essayer de lire. Le premier, Secrets of the Millionaire Mind. Et l'autre, c'est le dernier bouquin de Gary Vaynerchuk, Ask Gary V. Et alors, dans ma grande poche, j'ai dernièrement acheté ça. Normalement, ici, il y a aussi ma grosse caméra. Et ici, je stocke aussi les batteries de rechange et le chargeur. Et j'ai aussi un adaptateur. Sans aucun doute, le truc le plus bizarre de mon sac, c'est ça. C'est j'ai roulé un t-shirt, un caleçon et une paire de chaussettes que j'ai zip-taillé bien en espèce de rouleau et qui est dans la poche avant de mon sac. Et pourquoi je fais ça? Parce que ça m'arrive, en particulier en vélo, de me prendre une vilaine sauce. Et quand j'arrive au boulot, ou je suis en déplacement, ou je sais pas trop quoi, j'ai besoin d'avoir... c'est super désagréable de passer plusieurs heures avec un caleçon à moitié trempé ou avec des chaussettes à moitié mouillées. Donc j'ai toujours ça dans mon sac. Honnêtement, ça pèse 100 grammes. Ça prend un petit peu de place, mais c'est pas dramatique. Et au moins, comme ça, j'ai toujours sur moi un truc de fringue propre. Voilà. Il y en a plein qui vont trouver ça bizarre que je trimballe plein de trucs dans mon sac. En général, c'est des choses qui ils traînent pas vraiment, mais ils sont là tout le temps. Je sais que je les ai sous la main puisque j'ai toujours plus ou moins mon sac, en tout cas un de mes trois sacs sous la main. Et donc je sais que j'ai toujours du scotch, je sais que j'ai toujours éventuellement de la batterie pour ma caméra ou un chargeur pour mon téléphone, ou des lunettes de vue, ou des lunettes de soleil, ou ce genre de choses-là. Vous aussi, dites-moi les trucs bizarres que vous avez dans votre sac. Je suis sûr que je suis pas le seul à avoir des trucs bizarres dans mon sac. C'est vrai qu'un truc que je garde vraiment tout le temps dans tous mes sacs, c'est mon cahier magique. Mon cahier magique, alors j'en ai plusieurs, j'en ai plein, en fait. À des stades plus ou moins divers de finition. Celui-là, et j'en ai plein d'autres. C'est là où je marque plus ou moins mes idées, les trucs à faire,
par exemple, j'agrafe, j'agrafe des cartes de visite pour pas les paumer. C'est là où je mets des idées pour d'éventuels épisodes, des trucs comme ça. Je fais des dessins. Je note des trucs. Je me fais des listes. Ou quand je me fais chier en réunion, je dessine des trucs. Et ça, j'en ai toujours au moins un dans mon sac. J'ai toujours aussi, bien sûr, un crayon, stylo, feutre et un porte-mine. Parce que j'aime bien dessiner au porte-mine. Et voilà. Dites-moi les trucs bizarres que vous avez dans votre sac. Et puis voilà. Donc dans 1h28, invasion de mon Lebensraum par des gamines de 11 ans. Ils seront là jusqu'à 18h, donc dimanche non chômé. Et puis bah, à bientôt. T'es le lave-vaisselle. Ça va être ton nouveau surnom. D'accord ? Sympa. C'est pas bon le chocolat. Non, c'est bon, attends, t'en as eu suffisamment.